apprennent le métier de palefrenier sur 2 ans. En quoi consiste le métier de palefrenier? Ben, en fait, c'est apprendre à aborder le cheval, pouvoir le soigner, entretien des boxes, détecter les problèmes de maladies courantes et le travailler à la longe aux 3 allures avec un enrêtement. Vous suivez combien de jeunes, plus ou moins? Ça dépend un peu des inscriptions. En moyenne, je vais dire entre 8 et 10 jeunes. Notre journée type, comme vous pouvez constater, ben, au matin, nous faisons donc l'entretien des boxes. Il y en a qui font un pansage, donc qui brossent le cheval complètement, etc. Et alors l'après-midi, ben, nous faisons 1 ou 2 heures de théorie. Et nous avons une liste des chevaux que nous avons à travailler. Soit ce sont des chevaux de commerce, des chevaux de propriétaire, ou alors comme celui-ci, c'est chevaux de concours. Parfois, il y a des imprévus. On arrive le matin, il y a 2 chevaux qui sont en colique ou bien un cheval qui s'est blessé. Ben là, on donne un coup de main, soit au vétérinaire ou au maréchal ferrant. On accueille les jeunes dès leur inscription. On leur explique en quoi consiste le CFA. À partir de là, on leur propose une aide pour la recherche à l'emploi. On leur donne toute une pochette qui reprend les renseignements afin de leur permettre d'expliquer aux patrons, ce qu'ils n'ont pas toujours facile d'expliquer. Par la suite, on peut téléphoner avec eux. On les accompagne vraiment tout au long de la recherche. Dès qu'ils ont un contact, on se rend en entreprise, on signe le contrat. Ensuite, on fait l'évaluation du jeune toutes les 5 semaines à peu près. Tous les jours au CFA, je vois les jeunes, donc je vais voir un petit peu à l'atelier ou ici ce qu'ils font. Je dois dire qu'ils apprécient, qu'on s'intéresse un petit peu à eux. Et alors je prends contact avec les entreprises pour voir s'ils sont bien présents. Et alors comment ça se passe? C'est dès qu'il y a un problème, on se rend. Et de toute façon, toutes les 5 semaines, on se rend en entreprise pour voir comme les points forts et les points améliorés. Ce que je leur conseille, moi, c'est peut-être de trouver quelques heures dans un manège, dans un autre. On a une jeune fille qui a fait ça et je dois dire qu'elle fait son petit bonhomme de chemin et elle arrive à avoir un temps plein en passant dans plusieurs manèges. Parfois, ils arrivent, ils sont un peu perdus, ils ne savent pas trop ce qu'ils veulent faire. Et puis, quand ils ont un contrat, que ça se passe bien, qu'ils arrivent à la qualification, c'est toujours gai. Et surtout, de les voir revenir après, nous dire qu'ils travaillent, qu'ils sont insérés dans la vie active. On leur apprend les bases. Donc, bien sûr, moi je dis toujours, il ne faut pas penser que quand ils vont arriver, qu'ils arrivent pour monter à cheval. Hein, il faut commencer au bas de l'échelle, bien sûr. Donc, leur boulot, au départ, c'est d'abord tailler, mettre le foin aux chevaux, tous les soins aux chevaux, les brosser, curer leurs pieds, etc. Assister si le maréchal ferrant est là, si le vétérinaire est là, par exemple. Participer à ces choses-là. Bon, pouvoir préparer un cheval pour le monter dans le van, pour le conduire ailleurs. Longer les chevaux qu'ils peuvent faire aussi. Et bien sûr, ils doivent nettoyer les boxes aussi, tout ça fait partie. Et alors, comme on dit, monter à cheval, c'est la cerise sur le gâteau. Par passion, depuis que j'ai 6 ans, je monte à cheval. Donc, c'est ça qui m'a poussé à rentrer dans les chevaux. Pour savoir un peu plus sur les chevaux, comment les travailler, par quoi il faut commencer. M'engager dans les haras ou dans les élevages comme ici. Une fille m'en a parlé qu'elle avait arrêté de travailler ici, donc je me suis proposée pour venir travailler ici.